Living Seed Media brings to you God's Word, which is His comprehensive equipment for changing lives. May the Lord impact your heart as you encounter His Word. For further inquiry or counsel, contact Peace House, P.O. Box 971, Boko, Benue State, Nigeria. Telephone numbers 0703-036-3659, 0703-768-1198. Email address lsmedia@livingseed.org or visit our website at www.livingseed.org. Let us sit back and listen as the servant of God brings forth the word of life. The burden for this year's meeting. Le fardeau de cette retraite. Those who have made a covenant with me by sacrifice. Ceux qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. As we left the Summit of the Nations and the MLR last year. En partant du sommet des nations et de la retraite des serviteurs de Dieu l'année dernière. God mobilized us to see the little one become 1,000. Dieu nous a exhorté à voir le plus petit devenir un millier. And a little one becoming a strong nation. Et le moindre devenir une nation puissante. All by the Spirit of the Lord. Tout cela par le Saint-Esprit. And I must confess that in the course of the year. Et je dois confesser que durant l'année, there's a lot of explosion. Il y a une explosion. That we began to notice in different places. Que nous avons commencé à remarquer dans différents endroits. Such that even this year. Et de sorte que même en cette année, our expectation at MLR is quite enlarged. Notre attente pour la participation de MLS est vraiment agrandie et s'est élargie. We sense that God has continued to speak clearly about what He wants to do. Et nous sentons Dieu parler clairement de ce qu'il veut faire. This fire has begun to burn around the nations. Ce feu a commencé à brûler dans les nations. And we give God the praise for it. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. But God in His mercy has reached out unto us this year again. Mais Dieu dans sa miséricorde vient à nous à nouveau. With a crucial issue for the revival of our nations. Avec un sujet pertinent en rapport avec le réveil dans les nations. He is asking us to gather unto Him His saints. Il nous demande de rassembler ses saints. Those who have made a covenant with Him by sacrifice. Ceux qui ont fait alliance avec lui par le sacrifice. Why the main meeting the MLR? Tandis que dans la retraite de la RZ, we'll be focusing on the matter of living sacrifice for the fire of this revival. Sur l'aspect du sacrifice vivant pour le feu de ce réveil. The Lord will have us focus on the men and women He has arisen to ride upon into the nations to do exploits in the coming days. Le Seigneur voudrait que nous nous concentrions sur les hommes et femmes qu'il veut monter pour faire son entrée dans les nations, pour accomplir ses exploits dans les jours à venir. What we have understood quietly, ce que nous comprenons, is that God is gradually, c'est que Dieu progressivement, zeroing upon several of us, il est en train de se focaliser sur certains d'entre nous, that He wants to ride upon into our nations. Et ce qu'il veut utiliser pour entrer dans nos nations. So we feel that this gathering is critical this year. Et nous donc nous voyons que ce rassemblement est déterminant cette année. And as a prof prayed, et quand comme le professeur a prié, we must not be casual about it. Nous ne devons pas prendre cela à la légère. You must never think you just came in here by chance. Ne pense pas que tu es arrivé ici par hasard. You need to recognize that there is a divine mandate that you are about to enter. Et tu dois être conscient qu'il y a une tâche, une mission divine dans laquelle tu es sur le point d'entrer. We have been pleading with God to do something beyond us. Parce que nous demandons à Dieu de vraiment faire quelque chose qui aille au-delà de notre personne. So when He has asked us to gather men and women that He wants to ride into the nations. Et quand il nous a demandé de rassembler les gens qu'il veut utiliser pour entrer dans les nations. But that there must be men and women. Mais ce doit être des hommes et femmes
saints by life, saints par la vie, and by the transforming power of God, et la, par la puissance transformatrice de Dieu, by the cross, par la croix, such that have made a covenant with God by sacrifice. Ceux qui ont fait alliance avec Dieu par le sacrifice. They are the kind of people that God is demanding for us to gather to Him. Ce sont ces gens-là que Dieu nous demande de rassembler pour lui. I remember when God said to Moses, "Gather the elders to me." Je me souviens quand Dieu a dit à Moïse de rassembler les anciens pour lui. That I may pour my spirit upon them. Afin que je répande mon esprit sur eux. So that they may take a portion of this work. Pour qu'ils aient part, prennent part à cette œuvre. So when God said, "Gather to me." Et quand Dieu dit rassembler, we took it very seriously. Nous avons pris cela au sérieux. But that they must be men who have made covenant with Him by sacrifice. Mais ce sont des hommes qui ont contracté une alliance avec Dieu. Revival is a trust. Le réveil est une charge, est une responsabilité. This particular move of God is a high trust in God's purpose. Et ce mouvement de Dieu-ci est particulièrement de haute, une haute responsabilité dans le plan de Dieu. For His church in this end time. Pour son église en cette fin des temps. He will not commit himself or these holy pears to dogs. Il ne se confiera pas et ne confiera pas ses pelles aux chiens. And he will not cast this holy thing to the swine. Il ne jettera pas non plus cette chose sainte aux truies. He looks for men and women who have made a covenant with him. Il recherche des hommes et femmes qui ont fait alliance avec lui. And that by sacrifice. Et une alliance par le sacrifice. It is becoming a grave matter for us now. Cela est devenu une affaire très sérieuse pour nous actuellement. As we begin to pray together. Et tandis que nous commençons à prier ensemble. I don't know how the Holy Spirit is going to strike. Je ne sais pas comment le Saint-Esprit va agir. I say I don't know how. Je ne sais pas comment. But I know He will. Mais je sais qu'il le fera. Did you hear me? Est-ce que vous me comprenez? I know He will. Je sais qu'il va le faire. But I don't know how. Mais je ne sais pas comment il veut le faire. Some of you may appear quiet. Il y en a qui sont calmes en apparence. But when God strikes, mais quand Dieu va agir et toucher ou frapper, you will go and explode. Vous allez partir pour exploser. And we say, it doesn't look like that. On dit, mais il n'était pas comme ça avant. Something has come upon you. C'est que quelque chose est descendu sur toi. Something will come upon you in the name of Jesus. Et quelque chose viendra sur toi au nom de Jésus. God is the one who keeps covenant. Dieu est celui qui garde l'alliance. And he walks by covenant. Et qui marche selon l'alliance. He made a covenant with Abraham when he made the sacrifice of his son. Il a fait alliance avec Abraham lorsque ce dernier a offert Isaac en sacrifice. Right. Though God saved Isaac and replaced him with a lamb caught by the horn in the thicket of the bush around the altar, quoique Dieu l'a épargné en le remplaçant par un bélier dont les cornes furent coincées, was never his own again. Isaac n'appartenait plus à Abraham. He was the living sacrifice. Il devint un sacrifice vivant. Already offered to God for his eternal purpose to come to pass. Déjà offert à Dieu pour que son dessein se réalise. From generation to generation. De génération en génération. The fire of revival breaking forth here and there. Le feu du réveil qui s'allume déjà ici et là. In the lands and our nations. Dans nos pays et dans nos nations. Requires that God finds men and women who have made a covenant with Him. Que Dieu trouve des hommes et femmes qui ont fait alliance avec lui. To walk with Him. Pour marcher avec lui. And to serve Him by sacrifice. Et pour le servir par le sacrifice. It is time to be counted for God in your own generation. Le temps est venu de compter pour Dieu au sein de ta génération. And in your nation particularly. Et plus précisément dans ta nation. Have you made any covenant with God? Es-tu dans une alliance quelconque avec Dieu? Are you in any covenant relationship with Him? As-tu fait alliance avec Dieu? Can ou avoir une relation vivante avec lui? Can God entrust into your hand the great and delicate things He is about to release onto the earth in our lands and nations? Peut-il te confier cette chose formidable et délicate qu'il est sur le point de manifester ici-bas et dans nos pays et nos nations? Can God take you into confidence by releasing the dispensation of this move into your land? Dieu peut-il te faire confiance en te confiant la dispensation de ce mouvement? Though you look feeble and insignificant, tu parais faible et insignifiant. If you have made a covenant with God, mais si tu as fait alliance avec Dieu,
It is time to step into the purpose for which God has kept you alive. Alors le temps est venu d'entrer dans le projet pour lequel Dieu t'a gardé en vie. The altar of sacrifice is here erected again. L'autel du sacrifice est à nouveau érigé. And the Lord is waiting for men and women who will lay their lives down unreservedly for the fire to fall upon them. Et le Seigneur attend les hommes et femmes qui viendront sans réserve y déposer leur vie pour que le feu descende sur eux. If I may spend a little time to explain that paragraph to you. Si je prends un peu de temps pour expliquer ce paragraphe. I have known that God is a God who works by covenant. Je sais que Dieu est un Dieu qui agit par alliance. And he enters into covenant. Et il fait alliance. And I want to say to you that whenever God wants to do something significant, quand Dieu veut, toutes les fois que Dieu veut quelque chose de significatif, he covenants himself with persons or people that he wants to use. Il s'engage dans une alliance avec ceux qu'il a choisi d'utiliser. And this covenant relationship, et dans cette relation d'alliance, actually governs much of what God wants to do. Et cela même gouverne tout ce que Dieu a prévu de faire. And I really am praying, et je prie sérieusement, that the Holy Spirit will signal several of you out, et que le Saint-Esprit vraiment vous fasse signe, for what heaven is about to do, pour vous faire savoir ce que le ciel a prévu de faire. And I want you to please settle down, et j'aimerais que vous vous installiez correctement. I want you to focus, et pour vous concentrer. This meeting is not like the ones you have come before. Cette retraite n'est pas comme les autres auxquelles vous avez déjà participé. This meeting is not about what you used to know. Il ne s'agit pas de ce que vous connaissez déjà. It's not a familiar meeting. C'est pas une réunion familière. Even though everything may look familiar to you, quoi que vous soyez habitué aux choses ici, God is coming out. Dieu vient to commit himself to men he can work with. Pour s'engager avec des hommes et femmes qu'il veut utiliser. I said I know what it means for God to make a covenant with someone. Je dis que je sais ce que ça veut dire prendre faire alliance avec Dieu. And quand I'm Dieu not, fait alliance avec quelqu'un. You see, when we talk about Bible stories, quand nous racontons des histoires bibliques, it is wonderful. C'est merveilleux. That we will talk about those men who are dead. Quand nous parlons de ces gens qui sont morts. As if God doesn't do it again. Comme si Dieu ne fait pas cela à nouveau. But I want you to know that, mais je voudrais que vous sachiez, in our time, in our day, de nos jours, actuellement, God still enters into covenant with people. Dieu fait toujours alliance avec des gens. As regards what he wants to be done on earth. Concernant les choses prévues qu'il veut faire sur la terre. And sometimes when I look at the covenant God makes with people, et quand je vois souvent les alliances que Dieu contracte avec des gens, over what he wants them to accomplish on the face of the earth. Par rapport à ce qu'il veut qu'ils accomplissent sur la terre. Fear sometimes grips me. Des fois, je suis saisi de crainte et de peur. That so God can hold a man responsible for what he wants to do at the time. Pour quand je comprends que Dieu peut rendre quelqu'un responsable de tout ce qu'il a prévu de faire sur la terre. I knew that many years ago I was crying to God. Je sais, il y a longtemps, plusieurs années, nous crions à Dieu. And God said to me. Et Dieu m'a dit. I cannot release what I want to do. Je ne peux pas relâcher ce que je veux faire. To just anybody. À n'importe qui. This was when I said, Lord, here am I, use me. Quand j'ai dit, Seigneur, me voici, utilise-moi. Oh God. Oh, me voici, Dieu. I discovered a peculiar understanding of the purpose of God is also a trust. Je comprends que pour comprendre, pour avoir une connaissance des choses précises de Dieu, c'est aussi une charge, une responsabilité. I discovered that there are things that God gives people in order for them to carry out their assignment properly. Je comprends que Dieu délègue certaines choses à des gens pour qu'ils puissent efficacement délivrer leur mission. I may not go into such details. Je ne pourrais pas aller dans ces détails aujourd'hui. Because I'm just welcoming you. Parce que c'est seulement un mot de bienvenue ce But soir. You see, when God enters the covenant with you, mais quand Dieu entre dans une alliance avec toi, there are things that he must bring to your life. Il y a des choses qu'il va envoyer dans ta vie. For you to be able to walk with him. Pour que tu sois capable de marcher avec lui. For you to be able to fulfill that aspect of his purpose. Pour que tu sois capable d'accomplir cet aspect de sa volonté. And I have come to know. Et je compris.
That God is God who keeps covenant. Que Dieu est le Dieu qui tient et qui honore ses alliances. And if he enters into a covenant even with your little self. Et s'il contracte une alliance avec toi. Many years may pass. Plusieurs années vont s'écouler. His covenant never fails. Mais son alliance ne va jamais trahir. Praise the Lord. When we come back and we start dealing with covenant by sacrifice. Quand au retour, quand nous allons parler de l'alliance par le sacrifice. And what God wants to accomplish by that. Et ce que Dieu veut accomplir par cela. I'm trusting that God will give you insight. J'ai confiance que Dieu va vous donner de comprendre, d'avoir de la lumière. There's coming an outburst into the nations. Il y a donc une effusion qui vient dans les nations. There is the sound of abundance of rain and the time of ingathering of the harvest. Il y aura une abondance de pluie et de récolte et de moissons aussi. It's so wonderful that while we are seeing recklessness in the world. Et c'est vrai que nous voyons du désordre dans le monde. We are also sensing an harvest. Mais nous voyons aussi qu'il y a une moisson. It is not going to be about big names. Il ne s'agira pas de grands noms et de grands titres. Or big titles. Ou bien de personnes célèbres. It's not about big organizations. Il ne s'agit pas de grandes organisations. Or elaborate events. Ou bien des événements bien planifiés. It is the move of the spirit. Il s'agit du mouvement de l'esprit. But through earthen vessels considered to be little and insignificant in the eyes of men. Mais agissant dans des vases de terre. Vu comme étant petit et insignifiant aux yeux des hommes. But who have made a covenant with God. Mais des hommes qui ont fait alliance avec lui. And he will smell the aroma of their sacrifice on the altar of burnt offering. Il sentira la bonne odeur du parfum de leur sacrifice sur l'autel. And he will be merciful unto our nations again. Une fois encore, il y aura pitié de nos nations. Alléluia. Alléluia. May the Lord have the fulfillment of his desire in our midst in the name of Jesus. Que le Seigneur trouve l'accomplissement de ses désirs parmi nous au nom de Jésus. All we have done for this meeting is to simply obey his word. Nous n'avons fait qu'obéir à sa parole. When he said, gather quand unto me dit, my saints rassemble who moi have mes made fidèles, a covenant with me by sacrifice. Qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. We perceive that you are one of them. Nous voyons que tu es l'un d'entre eux. We l'une prayed d'entre eux. And prayed for you to come. Nous avons prié pour que tu viennes. For gates to open. Et pour que les portes s'ouvrent. And for the doors into the lands to be lifted for you to walk in here. Et que les portes des nations s'élèvent afin que tu viennes ici. Though we pray for meetings. Nous avons prié déjà pour des réunions. We have been mobilized to pray much more for this meeting. Mais nous avons vraiment été mobilisés à prier pour cette retraite-ci. We've been waiting for God to do what he says he will do. Et nous attendons que Dieu fasse ce qu'il a promis de faire. And when he began to say he's going to do something here, it's a feast he wants to declare. Quand il a déclaré qu'il va organiser une fête ici. We felt that we are in for something serious. Et nous savons, nous comprenons donc que c'est quelque chose de sérieux à commencer. You have been drawn to this countryside, almost in a solitary desert, for God to breathe upon you. Tu as été attiré dans cette campagne, dans ce lieu presque désert, pour que Dieu souffle sur toi. And for him to release you to take your place in what he wants to do in the nations of the earth. Et qu'il t'envoie pour aller occuper ta place dans ce qu'il veut faire au sein des nations de la terre. We want to welcome you to this sacred meeting with God. Je veux te souhaiter la bienvenue dans cette réunion sacrée avec Dieu. God of covenant, who keeps covenant from generation to generation, up to the fourth generation, is here. Le Dieu d'alliance qui garde l'alliance de génération en génération jusqu'à la quatrième génération est ici. He has decided to remember his covenant which he made in the years aforegone, for it is time for their fulfillment. Il veut se souvenir de l'alliance d'autrefois, car le temps de son accomplissement est arrivé. But only such men and women who have made covenant with him by sacrifice can have a part in what he's about to do. Mais seuls les hommes et femmes qui ont fait alliance avec lui par le sacrifice peuvent prendre part à cela. My prayer is that God may count you worthy for this honor of bearing his fire and blazing it across and about all the nations.
Je prie que Dieu te trouve digne de cet honneur à porter son feu pour le répandre dans les nations. And particularly the land where you come from. Et particulièrement dans le pays d'où tu viens. I would like to give you an exhortation quickly. J'aimerais apporter rapidement une exhortation. And it is that you should please settle down. C'est que tu puisses vraiment t'installer rapidement. And take your bearing. Et que tu puisses vraiment prendre tes repères. This meeting is a destiny meeting. Cette retraite est une retraite de destinée. Certain things will happen that you cannot reverse. Il y a certaines choses qui vont arriver qui ne pourront plus être annulées. God will do something that we cannot change. Dieu va faire des choses qu'on ne peut plus changer. When we were doing the preview of this meeting in October, quand nous faisions la revue de la réunion en octobre, we came to a point where it was very fearful. Nous sommes arrivés à un niveau où c'était vraiment effroyable. And somebody came and told me, I said, Bragbili, et quelqu'un est venu me dire, the way God is speaking now, de la manière que Dieu parle maintenant, are you ready? Est-ce que tu es prêt? If these young lives, all troopers, they say they are ready to lay their lives for God. Are you ready? Si tous ces jeunes-là viennent de poser leur vie pour dire qu'ils sont prêts, est-ce que toi tu es prêt? You better be careful. Fais attention. And do the brother look honest? Quoi que ce soit, honnêtement qu'il ait dit ça. The Holy Spirit made me to challenge him. Le Saint-Esprit m'a demandé de lui lancer un défi. And what came strongly was this. Et ce qui est venu très clairement, c'est if not now, si ce n'est pas maintenant, when? Alors quand est-ce que ce sera? If not now, si ce n'est pas maintenant, when will a man lay down his life for God? Quand est-ce que quelqu'un va déposer sa vie pour Dieu? If not now, si ce n'est pas maintenant, when will you respond to the reason why you are born? Quand vas-tu répondre à la raison pour laquelle tu es né? What is so precious about a man? Qu'est-ce qui est si précieux concernant un homme? That he will preserve it for what? Pour qu'il puisse préserver cette vie et pourquoi? If God is demanding for si it. Si Dieu réclame cette vie-là. What does it profit a man? À quoi sert? If he gains the whole world. À un homme de gagner tout le monde. Which is not possible. Ce qui est même impossible. You can't gain the whole On world. Ne peut pas gagner tout le monde entier. Except you are deceiving yourself. À moins que tu ne puisses te tromper toi-même. And so, even if you gain the whole et même si tu arrives à gagner le monde entier, what does it profit à quoi sert-il? À quoi cela sert-il? If you are irrelevant in what God wants to et si tu n'es pas pertinent dans ce que Dieu veut faire de ta vie, where will you carry it? Où est-ce que tu vas mener cela? So I want to exhort you, brothers, j'aimerais vous encourager, frère. Settle down. Installez-vous bien, proprement. And take your bearing. Et prenez vos repères. Do not get distracted with anything. Ne vous laissez pas distraire par quoi que ce soit. Or with anyone. Ou par qui que ce soit. Don't be distracted. Ne vous laissez pas distraire. Some of you came with people. Il y en a, vous êtes venus en groupe. And sometimes you may miss the purpose of God. Et quelquefois vous passez à côté de la volonté de Dieu. Because when God is needing your attention. Parce que quand Dieu exige votre attention. You are busy trying to see that. The people are hearing. Vous êtes occupé à regarder est-ce que les gens suivent, les autres sont là, est-ce qu'ils sont présents. That will be your greatest mistake. Et ce sera donc une erreur grave de ta part. If you have brought them to God, si tu les as amenés à Dieu, leave them with God. Laisse-les à Dieu. Did you hear me? Est-ce que vous me comprenez? If you facilitated them to come here, et si tu as joué le facilitateur jusqu'ici, lose them from your apron. Okay, il faut les relâcher de ton sein. So they can hear God. Afin qu'ils puissent avoir contact et entendre Dieu. Don't be overbearing. Ne sois pas trop préoccupé. As to miss your own purpose. Au point de passer à côté de ce que Dieu veut faire, le but qu'il a pour toi. Why must I warn you? Pourquoi est-ce que je dois vous avertir? If they catch fire before you. Parce que s'ils attrapent le feu avant toi. And you only went with stories. Et toi, tu retournes avec des histoires seulement. You may quench their fire. Alors, tu seras peut-être tenté d'éteindre leur feu. And that will require a double responsibility from you. Et cela va te demander une responsabilité double. Can I ask you to forget everybody? Est-ce que tu peux oublier tout le monde? Just focus on your life. Et tu te concentres sur ta vie. And say, Lord, I have come. Et tu dis, Seigneur, je suis là.
I don't want to be distracted with anybody. Je ne veux être distrait par personne. I don't want to be distracted with anything. Je ne veux être distrait par quoi que ce soit. The facility is continuously weak. Et c'est vrai que les structures d'accueil sont toujours en deçà. But I want to tell you, we didn't come here to enjoy. Mais vous voyez, nous ne sommes pas venus ici pour le plaisir. We came here to meet God. Nous sommes venus pour rencontrer Dieu. Or did you come to this bush to enjoy? En... I don't know what enjoyment is here. Je ne sais pas qui est venu ici comme un touriste pour découvrir la poussière de ce lieu. Talk to me, please. There's nothing. Il n'y a rien. This is not a tourist place. Ici, ce n'est pas un lieu touristique. We have deliberately decided that it won't become a tourist. Et c'est exprès pour qu'il n'y ait rien d'attractif. All we are looking for. Tout ce que nous recherchons. That when you come here, c'est quand vous venez ici, you will see the invisible. Vous allez rencontrer celui, vous allez voir celui qui est invisible. You will encounter the invisible. Et vous allez rencontrer le Dieu invisible. People will say, what is it that you're always going to? Et les gens diront, mais qu'est-ce qu'il y a là-bas toujours, puis tu y vas? How can you spend so much to Pourquoi dépenses-tu tant d'argent? It will baffle people. Et ça va étonner les gens. And I can imagine that some of the new people you came with. Et j'imagine ceux qui viennent ici pour la première fois que vous avez fait venir ici. Is this where we are going? Il s'est dit, mais c'est ici on venait? Oui. Is this where we are going? C'est ici on venait? Or we are passing ou bien c'est un lieu transitoire pour aller là où on va. Hey, brother, this is where you are coming. Oui, frère, c'est ici que tu venais. This is where you will be until we finish this meeting. Et c'est ici que tu seras pour toute la semaine pour finir cette retraite. As we are finishing the meeting, you start going home. Et en finissant la retraite, tu retournes à la maison. No time to branch anywhere. Il n'y a aucun moyen pour passer à côté pour we voir have quelque no chose. Plan for you to see Nigeria. On n'a même pas prévu que tu puisses visiter le Nigeria. We plan for you to see the Lord. On a planifié que tu vois le Seigneur. And it is the Lord you will see in the Et c'est le Seigneur Jesus. Que tu verras dans le nom de Jésus. You see how terrible it is that some of you arrive in the night. Et vous voyez, il y en a qui sont arrivés la nuit. You didn't see anything. Et vous n'avez rien vu. You only woke up now. Vous êtes réveillé. And you started seeing the bush. Et vous commencez à voir les herbes sauvages. Where are we now? Mais on est où? What part of Nigeria is this? C'est quelle partie du Nigeria ici? It's okay. Ça va. All we want you to see. Tout ce que nous voulons que tu vois is the Lord. C'est le Seigneur. And you will see the Lord. Et tu verras le Seigneur. You will encounter him who is invisible. Et tu vas rencontrer celui qui est invisible. Please look for him. S'il te plaît, recherche-le. Look for that which is invisible. Recherche celui qui est invisible. Your life will never remain the same. Et ta vie ne restera plus jamais la même. Hallelujah. Your life will never remain the same. Et ta vie ne restera plus jamais comme la même. Your ministry into the nations will never remain the same. Et ton ministère même dans les nations ne va plus être le même. Thank you, Father. Merci, Père. Unto the Lord shall the gathering of his people be. C'est au Seigneur que nous nous sommes rassemblés. Though we are many, quoi que nous soyons nombreux, we have not gathered unto one another. Nous ne sommes pas venus les uns pour les autres. What have I said? Qu'est-ce que j'ai dit? You didn't come here to see another brother. Tu n'es pas venu ici pour rencontrer une autre personne. Am I correct? Vous suivez? You bought the ticket. Est-ce que ou bien est-ce que tu as acheté ton billet d'avion? I'm going to Nigeria. Je vais au Nigeria. To go and meet that. Pour aller rencontrer celui le frère là. Is that why you came? Est-ce pour cela que tu es ici? Eh? Even though we are many. Quoi que nous soyons nombreux. And that you are meeting people here. Et vous rencontrez des gens ici. That is coincidental. Mais ça c'est une coïncidence. Actually, you didn't come to see them. En fait, tu n'es pas venu pour les voir. And even if they are not here, et même s'ils ne sont pas ici, the person to whom you came is already celui here. Celui vers qui tu es venu, il est déjà présent ici. Did you understand what I'm saying? Est-ce que vous comprenez ce que the je dis? The Lord you came to see, le Seigneur que tu es venu voir, is already here. Est déjà ici. And that's the one. Et c'est celui-là you must focus que tu dois sur lequel tu dois te concentrer. Praise the Lord. Please keep a single eye on him. Soyez focalisé sur lui. And incline your ears to hear. Étendez-lui vos oreilles pour entendre. I use the word incline. J'ai dit incliner. Is that sometimes it will come as a whisper? Parce que quelquefois ce sera comme un murmure. Sometimes it will look obscure. Quelquefois ce sera un peu sometimes it will be in the midst of many things that people are saying. Quelquefois ce sera au milieu de beaucoup de choses qui est dit. And you will see the Holy Spirit. Et tu vois le Saint-Esprit. This is for you.
va te dire clairement, ça c'est pour toi. We may open a passage, on peut même aborder un passage. And we are talking about many things in et on parle de beaucoup de choses dans ce passage. But the Holy Spirit is not intending for you to hear many mais le Saint-Esprit n'a pas prévu que tu écoutes toutes ces choses. One thing mais that is critical. Un point est déterminant. And he's pointing his finger et il met son doigt sur ce point. Please s'il te plaît, suis-le. What God will do, ce que Dieu va faire, nobody can stop. Personne ne peut arrêter cela. I say you should please incline your ears to hear. J'ai dit, s'il vous plaît, tendez-lui vos oreilles pour entendre what God has to say to you. Ce que Dieu a à vous dire. I also ask you to please bend your knees. Et j'ai aussi demandé que vous puissiez fléchir les genoux in prayer. Dans la prière. Every opportunity you have, toute opportunité qui se présente à vous, bend your knees. Fléchissez les genoux. Ask God, Lord. Demandez à Dieu. These days I'm here. Et dit, Seigneur, le temps que je suis ici, I must not miss anything you want to je ne veux pas passer à côté de ce que tu as prévu. All that you want to do with tout ce que tu veux faire avec moi, it must come to pass. Cela doit se réaliser. On our own part, de notre côté, we keep praying along. Nous prions aussi. We keep trusting God to do what he wants to do. Et nous comptons sur Dieu pour qu'il fasse ce qu'il veut faire. And we keep looking unto him for what you will go away with. Et nous comptons sur lui pour qu'il vous donne quelque chose avec lequel vous allez repartir. And we are trusting that he will vindicate the purpose and the reason why we are being here. Et nous pensons qu'il va agir par rapport au but pour lequel nous sommes ici. So with that, I'd like to say to you, you are welcome to Boko. Et donc avec ceci dit, je veux vous accueillir à Boko. On behalf of all our leaders. Au nom de tous nos leaders. And all the team that have been working together. Et de toute l'équipe qui travaille ensemble. We welcome you in the name of Jesus. Nous vous accueillons dans le nom de Jésus. We pray that the Lord will make your coming out here a blessing. Nous prions que le Seigneur bénisse votre venue ici. And that all the troubles you take to come, the Lord will pay you more than that. Et toutes les difficultés que vous avez eues pour venir ici, que le Seigneur vous récompense. Amen. Now, before I lead you to pray and we take some important instructions, avant donc de recevoir quelques instructions et prier, what are we expecting this move to be? Qu'est-ce que nous attendons de ce mouvement? So, if you go to page 12 of your paper, you will see the peculiar features of this move of God. Allons-y à la page 12, à la page 12 de notre livret. Pour voir les traits particuliers de ce mouvement. These are the things that the Lord had continued to speak about. Ce sont des choses que Dieu a continué d'aborder. Of what he wants to do as a result of what the Holy Spirit is bringing us to. De ce qu'il veut faire par rapport aux actions du Saint-Esprit. And I would like you to please take note of it. J'aimerais que vous puissiez lire et prendre note de cela. What we realize that every move of God, ce que nous comprenons, c'est que chaque mouvement de Dieu is peculiar, est particulier, and has specific features, et il a des traits particuliers. And sometimes, when you don't understand what are the features of a particular move of God, et quelquefois quand vous ne connaissez pas les traits particuliers d'un mouvement, your expectation may be contrary to what God wants to do. Vos attentes seront contraires à ce que Dieu prévoit de faire pour ce mouvement ou you par might, ce mouvement. You might be forcing the stream to go a direction which is not meant for it. Vous serez tenté de faire dévier, détourner le flot. And what, pour ce qui n'était pas prévu. What will happen is a kind of frustration because you are swimming against the stream. Et ce qui cela produit, c'est une frustration parce que vous nagez à contre-courant. You are walking contrary to the current. Parce que vous nagez à contre-courant. I would like you to take note of them. J'aimerais que vous puissiez lire cela. And trusting that God will give you understanding. Et je crois que Dieu vous donnera de comprendre de quoi il s'agit. What we are looking for. Ce que nous recherchons. Or what the Spirit of God has incessantly continued to say. Ou ce que le Saint-Esprit a continué de répéter. So you will read it on your own. Vous allez lire cela vous-même. And maybe when there's another space. Et quand nous aurons une autre occasion. We may want to highlight part of it. On va faire sortir quelques points. But I just want to point you to it. Mais j'aimerais simplement voulu vous dire cela.
what we are longing to see God do, ce que nous voulons voir Dieu faire, which he has spoken consistently about, et qu'il a déjà dit à plusieurs reprises and de façon claire. Sometimes as you sit down to understand it, et quand vous cherchez à comprendre cela, you will see why the way the Lord is directing you and directing us is very peculiar. Et vous allez comprendre la façon que Dieu nous conduit et nous dirige, c'est particulier. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Thank you very much. Can Merci we, beaucoup. Can we pray together? Est-ce que nous pouvons prier ensemble? Before we take some notices and instructions. Avant de recevoir quelques instructions et quelques directives. I just want directives. To tell God two things very quickly. Que tu puisses dire à Dieu deux choses rapidement. And it is to say, Lord. Et c'est de dire, Seigneur, I am here. Me voici ici présent. What you intend to do with me? Ce que tu as prévu de faire avec moi? The covenant you want to enact with my life. L'alliance que tu veux activer par ma vie. Father, Père, I am here. Me voici. You see, that prayer, you might think it's small. Vous pensez que c'est une prière légère? But permit me to tell you that is the biggest prayer you will pray now. Mais je vous dis que c'est le fardeau même que vous devez délivrer devant le you Seigneur say, maintenant. Look at me, O God. Regarde-moi, ô Dieu. At your feet. À tes pieds. Deal with me. Traite avec moi. As you have deemed fit. Comme tu me trouves digne. Do unto me. Fais. What you have ordained to do. Fais en moi et avec moi ce que tu as ordonné de faire. I have shut the door against distraction. J'ai fermé la porte à toute distraction. I have shut everything else. J'ai fermé toute boutique. It's you I need now. Et j'ai besoin de toi maintenant. When you have done what you want to do with my life. Et quand tu as fini avec ce que tu veux faire de ma vie. And I'm returning with a shining face. Et je retourne avec un visage reluisant. It will explain everything else. Cela va expliquer tout le reste. Would you like to pray? Est-ce que tu veux faire cette prière? That's the prayer. C'est la prière. Let's pray together. Prions ensemble. Lord, I have come here. Seigneur, je suis là. And I'm here for you. Et je suis là pour toi. Deal with me. Traite-moi. As you want to do. Selon ton bon plaisir, selon ce que tu as prévu. Accomplish what you want to accomplish. Accomplis ce que tu veux accomplir. Before I leave here. Avant que je ne parte d'ici. Carve your purpose into my life. Grave ta volonté dans ma vie. Go ahead and pray, please. Vas-y, fais cette prière. That's the first important prayer. C'est là le premier sujet de prière déterminant. Jesus, I am here. Jésus, je suis là. Rima saila mashanda bakondo roboskela. What a week to shut in with God. Oh, une semaine pour s'enfermer avec Dieu. What a week to talk to no one else but the Lord. Une semaine à ne parler à personne d'autre qu'à Dieu. What a week for God to sit over your life. Une semaine pour permettre à Dieu de s'asseoir sur ta vie. What a week to establish something that we reverberate for many, many, many years. Une semaine pour permettre à Dieu de faire quelque chose qui va se répercuter durant plusieurs Please années. Call on God now. Invoque Dieu maintenant. Jesus, I am here. Jésus, je suis là. Jesus, I am here. Jésus, je suis là. Whatever you must do to me. Tout ce que tu veux faire de moi. Don't allow me to miss it. Ne me permets pas de passer à côté de cela. Don't allow anyone to take my place. Ne permets à personne de prendre ma place. Don't let my journey here be in vain. Que mon voyage ici ne soit pas vain. Harialabashika. Mata zambaraka toko sambarabashiria. Ibaria lakatao yamakondo roboskambaraka saila. Rekoto zabaraka shanda baba koryo lobo sambarabashiria. Oh God. Oh God. Oh God. Jehovah God, have your way in our time, have your way in our hearts, have your way in our midst, but particularly have your way with me. Lika toko zambarabashiri.
agis au milieu de nous, mais agis dans ma vie particulièrement. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ah, it's okay, Lord. You will have your way, oh God. You do what a man cannot do. You go where a man cannot go. Hallelujah, Father. Haria lakaba kunto robos kambaria labashiba. Zambo robo shenta makaura kasaila bakando roboskina. Zamba rata yaba kundo roboskinda karika bakundo roboskaila. Zekete yerebo samba kura kabasaila. Masaka tau yaba kundo roboskila. Zima riala katau yama kundo roboskuri. Zakoto robo santa baba 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 kaura. Oh God, mataka zamba rakatao ya makuria. Zimba kotorobo samba rabashinda bakuri masaila. Oh God, bekete yerebo samba kaura kabasanda bakondo robo skila. In Jesus Christ's name, we have prayed. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Second prayer. Deuxième sujet de prière. The kind of thing that God is saying he wants to do. Ces choses que Dieu dit qu'il veut faire. Only God can do it. Seul Dieu peut le faire. Brother, I confess to you. Et frère, je confesse. That only God can do what we are expecting him to do. Seul Dieu peut faire ce que nous attendons de lui. None of us has what it takes to do what God says he wants to do. Personne parmi nous n'a ce qu'il faut pour faire ce que Dieu veut. And we are not pretending about it. Et nous ne faisons pas semblant. We are releasing you to him who is able to do it. C'est réel, nous vous remettons entre ses mains, celui qui peut le faire. So you are going to pray this prayer. Alors tu vas faire cette prière. My faith looks up to you, O God. Oh Seigneur, ma foi se tourne vers toi. Thou Lamb of Calvary. Oh agneau. Only you can do what you are talking about. Toi seul peux faire ce que tu es en train de dire. Then do it, oh God. Alors donc il faut le faire. Do it. I have nowhere else to go. Parce que je n'ai personne vers qui me tourner. I have no other person to look to. Je n'ai personne vers qui me tourner. And I will not let you go. Je ne vais pas te laisser partir. Unless you help my life. Si tu n'as pas aidé ma vie. I can't travel to Boko. Je ne peux pas voyager jusqu'ici. And return with empty story. Retourner avec des histoires simples. No, no, Lord. Non, Seigneur. I will not let you go. Je ne te laisserai pas partir. Unless you help me. Si tu ne m'aides pas. Unless you bless me. Si tu ne me bénis pas. There is no other place. Il n'y a aucun autre endroit. No other good thing comes from anywhere else. Il n'y a aucune bonne chose ailleurs. Only from the Lord. Ce n'est que du Seigneur. Only from the Lord. Ce n'est que du Seigneur. And the Bible says, except the Lord. Et la Bible dit, si le Seigneur watches over the city, those that are waking up is in vain. Ne veille pas sur une ville, ceux qui veillent veillent en vain. Let the Lord build a house. Le Seigneur ne bâtit pas la maison. All the builders are laboring in vain. Ils bâtissent en vain. Unless the Lord. Si le Seigneur. Unless the Lord. Le Seigneur. J'aimerais que tu pries. I say, oh God, et dis, oh Dieu. I have come to my last bus stop. Je suis now. Venu maintenant à mon dernier arrêt. I don't know who else can help me. Je ne sais pas qui d'autre peut m'aider. I don't know who else I can touch. Je ne sais pas à qui d'autre m'adresser. I don't know who else can do something. Je ne sais pas qui d'autre peut faire quelque chose. Oh Lord Jesus. Oh Seigneur Jésus. Only you can do what I'm looking for. Toi seul peux faire ce que je demande. My expectation is only of God. Mon espérance est en Dieu. Je ne regarde pas ailleurs. So Lord, Seigneur, do for me. Fais pour moi. What I cannot do for ce myself. Que moi-même je ne peux faire pour moi. Brother, I want you to pray now. Frère, je voudrais que tu pries. Sister, I want you to call on God. Sœur, invoque le Seigneur. That what no man can do. Et que ce que personne ne peut faire. Heaven will come to do it. Que le ciel vienne le faire. What no man can do. Ce que personne ne peut faire. What you yourself have not been able to do. Ce que toi-même tu n'as pas pu faire. God will do it here. Dieu va le faire ici. God will do it here. Dieu va le faire ici. Whatever it is. Quoi que cela soit. Whatever it is. Quoi que ce soit. Whatever
the need of your life, quel que soit le besoin de ta vie, God will do it. Dieu va le faire. Yeah, Maroko takazaba rabashiri. Matagazaba rabatanko to roboshinka. Kerusalika. Father, beke toko sakaria. You will arise, O God. It will be you at work. It will be you at work. If you don't do it, we cannot go. Let somebody say to God, unless you bless me, I'm not going. Que quelqu'un dise, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas partir. I am tired of receiving people's explanations. Je suis fatigué des explications. Amen. I need a divine hand over my life. J'ai besoin d'une touche divine sur ma vie. Something that it will be clear that God did. Quelque chose qui va être clair que c'est Dieu qui a fait. Wherever you come from. D'où est-ce que tu viens? Something must happen with your life. Quelque chose doit arriver à ta vie. Please pray with me. Priez avec moi. Karoko takasila. If you don't walk, who can walk? If you don't do it, who can do it? The struggles of many years must end in this Boko. Tell the Lord that all my struggles of several years must end here. Dis au Seigneur que toutes mes luttes depuis toutes ces années doivent prendre fin ici à Boko. All my instability must end here. Toute mon instabilité doit prendre fin ici. I have been searching for meaning, I have been searching for direction, I have been searching for fulfillment. Je recherche l'accomplissement, la direction, le sens de la vie. I know there's a call of God on my life. Je sais qu'il y a un appel de Dieu sur ma vie. But I don't know how to fulfill it. Mais je ne sais pas comment réaliser cela. This meeting must release me. Que cette retraite me libère là-dedans. It will release you to your destiny. Que cela te libère dans ta destinée. And the nation for which God is entering a covenant with your life. La nation avec les, pour lesquelles Dieu entre en alliance avec toi. Something will break loose there. Quelque chose va être libéré là-bas. Rashata yamakondo roboskubari ala baba baba. Ramasakanda yabakondo roboskaba. Lo baroko sakuri machanda baba 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 baba. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jehovah is your name, Lord. Jehovah est ton nom. You are the Lord of Lords. You are the one that does what no man can do. You are the Lord our God, we call. I want you to expect the impossible. Expect the impossible. Okay, je veux que tu t'attendes à ce qui est impossible. What has been impossible for your life for years? Ce qui a été impossible à ta vie depuis des années. This week it shall become possible. Cette semaine, ce sera possible. Things that you have struggled with for years. Les choses que tu as lutté avec durant des années. They shall dissolve in this meeting. Ces choses vont se dissoudre dans cette semaine. Because you will encounter the invisible. Parce que tu vas rencontrer celui qui est invisible. You will meet him who is invisible. Tu vas rencontrer celui qui est invisible. You will touch him who is invisible. Tu vas rencontrer celui qui est invisible. Hallelujah, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Amen. 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 Unto the Lord shall the gathering of his people be. C'est au Seigneur que we are gathering together. Nous rassemblons unto thee. Devant toi. We have gathered together unto you, our Father. C'est vers toi que nous. We have gathered together unto you. Unto the Lord, gathering of his people, oh God, oh God, we are
Yes, Lord Jesus. Unto you, Lord, we have gathered. C'est à toi together. Que nous venons, Seigneur. Nous nous rassemblons. Unto you, our Father, we have gathered together. Unto you. Unto the Lord of his people be. We have gathered together. Nous nous rassemblons au Seigneur et pour le Seigneur. What has been impossible for a man, ce qui a été impossible pour we are laying it at your feet in this meeting. Nous déposons cela à tes pieds dans cette retraite. What had stood as an obstacle for years, ce qui a été comme un obstacle durant des années, shall melt at your feet in the name of Jesus. Ces choses vont fondre à tes pieds au nom de Jésus. Holy Spirit, we have come. Saint Esprit, nous sommes là. Go ahead and do what you say. Vas-y, fais ce que tu as annoncé. Have the liberty to walk in this place. Tu as la liberté d'agir ici. Engage each one of your people. Engage chaque individu. Those that need miracles, they will have their miracles. Ceux qui ont besoin de miracles vont recevoir leurs miracles. Those that need specific healings, they will have healings in the name of Jesus. Ceux qui attendent une guérison précise vont recevoir cette guérison au nom de Jésus. But over and above all of that, mais au-delà de tout cela, that which they are meant to accomplish as a destiny, ce qu'ils doivent accomplir comme étant leur destinée, something we activate it from here. Que quelque chose soit activé pour cela à partir d'ici. In the name of Jesus Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Thank you, Father. Merci, Père. Thank you, Father. Merci, Père. So, Lord, we declare this meeting open. Nous déclarons donc officiellement ouverte cette retraite. The Lord, we have the liberty to move in our midst. Et que le Seigneur soit libre d'agir au milieu de nous. Liberty to engage and encounter us as individuals. La liberté de nous engager et de nous rencontrer en tant qu'individu. Wherever you lay your head, partout où tu poses la tête, it shall become a Bethel. Cela deviendra comme un Bethel pour toi. It will be a place of divine visitation. Un lieu de visitation divine. The Lord will do for you what has not been possible for years. Ce qui a été impossible durant des années, le Seigneur va le faire pour toi maintenant. You will turn to be another man. Et tu vas être transformé en une autre personne. In the name of Jesus Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. From this day forward. À partir de maintenant. The eyes of the Lord will rest upon you. Les regards de Dieu sont tournés sur toi. His countenance will rest upon you. Il va tourner sa face vers toi. It shall be well with your soul. Et tout ira bien avec ton âme. It shall be well with your spirit. Et aussi avec ton esprit. Your understanding of spiritual things will open. La compréhension des choses spirituelles tu seras accédée. You will hear God speak directly to your soul. Tu vas entendre Dieu te parler clairement au cœur. A divine mobilizing power will fall upon une puissance you. Va te mobiliser et va venir sur toi. You will have capacity to conceive what God is talking about. Et tu vas avoir la capacité de concevoir ce que Dieu est en train de dire. The spirit of faith will come upon you. L'esprit de foi va venir sur toi. You will rise from here to do what people thought could never have been done. Tu vas partir d'ici pour faire ce qu'on a pensé impossible à faire. What happened to Gideon? Ce qui est arrivé à Gédéon. And he turned his nation upside. Et qui a bouleversé toute sa nation. Because God encountered him. Parce que Dieu l'a rencontré. God will encounter you here. Dieu va te rencontrer ici. Lord, I stand as your servant. Seigneur, je me tiens ici comme ton serviteur. And I demand from you, O God. Et je te demande, ô Dieu. We have done what you told us to do. Nous avons fait ce que tu nous as demandé de faire. Gather unto me, my saints. De rassembler tes fidèles et tes saints. Here they are. Les voici. We didn't bring them for anything else. Nous ne les avons pas fait venir ici pour quelque chose d'autre. We did not bring them to collect money from them. Ce n'est pas pour recevoir de l'argent d'eux. We've not brought them to use them for publicity. Ce n'est pas pour les utiliser pour de la publicité aussi. We have not brought them for any personal show. On ne les a pas fait venir pour quelque chose de personnel. And we have decided. Et nous décidons. That we will not interfere with them. De ne pas intervenir avec ce que tu veux faire. What you want to do with each one. Ce que tu veux faire avec chacun. Have the liberty to do it. Sois libre de le faire. Engage them by yourself. Engage-les toi-même. Our only joy. Nous, notre joie, is that we will see your glory break forth. Notre seule joie, c'est de voir ta gloire éclater. So Lord, I ask. Alors Seigneur, je te demande that none of us will interfere. Que personne parmi nous n'intervienne.
None of us ou n'interfère a distraction to them. Et ne devienne une distraction pour quelqu'un. They came here to meet God. Ils sont venus ici pour rencontrer Dieu. So every distraction, donc toute distraction, we bind in the name nous of t'annulons Jesus. Et nous te lions au nom de Jésus. He said, whatever we bind here on earth is bound il in dit, tout ce que nous lions sur la terre est lié so au ciel. We bind every distraction. Nous lions toute distraction. If anybody is sick before coming si here, quelqu'un était malade avant de venir ici, we bind that sickness. Nous lions cette maladie. We release you to focus on God. Nous te libérons pour te concentrer sur Dieu. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Those that have bone issues. Ceux qui ont des problèmes. By the word of the Lord avec tonight. Avec les os. Par la, we par resolve le nom du Seigneur. Those pains in the name of Jesus. Nous demandons you que you are here to enter your destiny. Tu es ici pour entrer dans ta destinée. And your destiny you will enter. Et tu entreras dans ta destinée. In the name of Jesus. Amen. From this night, à partir de ce soir, give them liberty, oh God, donne-leur la liberté, oh Dieu, into your presence, d'entrer dans ta présence. Let the spirit of the living God, que l'esprit du Dieu vivant, overwhelm them, les environne. Let the spirit of prayer fall upon them, que l'esprit de prière tombe sur chacun d'eux. So that from this moment, à partir de ce moment, donc, it will be a one meeting with God. Que ce sera une retraite avec Dieu. It will be one undistracted encounter with une God. Rencontre sans distraction avec Dieu. In the name of Jesus dans Christ. Le nom de Jésus-Christ. Thank you for hearing our prayer. Merci de nous exaucer. Thank you because you will do much more than we can ask. Merci parce que tu vas faire plus que ce que nous avons demandé. So imaginez. I declare to you, it shall be well with donc you. Je vous dis que cela tout va aller avec vous. The Lord himself will be your expectation. Le Seigneur lui-même sera votre espérance. And all your families you left behind. Et tout ce que vous avez laissé derrière. We decree. Nous déclarons et décrétons. It shall be well with them. Tout va bien avec there eux shall là-bas. Be no emergencies. Il n'y aura aucune urgence. Nobody will call you for any sorrow. Personne ne vous appellera pour quelque in chose the de name of Jesus dans le nom de Jésus-Christ. What you left behind at home, ce que tu as laissé derrière, no one will scatter it. Personne ne va venir pour the disperser Lord cela. Himself will be your rear guard. Le Seigneur lui-même sera ton arrière-garde. Because you need to be here with all your concentration. Parce que tu dois être ici avec toute ton attention. Lord, some left their wives pregnant. Seigneur, d'autres ont laissé leurs femmes enceintes. Because of this meeting. À cause de cette retraite. Now we speak that the shadow of the Almighty will be upon those pregnant women. Nous prions que l'ombre du Seigneur couvre ces femmes enceintes. There shall be no complication. Il n'y aura aucune complication. Every threat, I rebuke it in the name of Jesus. Toute menace est menacée au nom de Jésus. Those whose children are supposed to be put into bed. During this period. Oh, ceux dont les enfants devaient there shall être be no complication in the name of Jesus. Thank you, Father. And for us, oh God. Et pour nous, oh Dieu. From now till the end. De maintenant jusqu'à la fin. We submit to you. Nous nous soumettons à toi. Every word that will come here. Toute parole qui sortira d'ici. Those that will lead us to worship. Ceux qui vont nous conduire dans l'adoration. Those that will lead us in prayer. Et dans la prière. They will all key into what you are doing. Tout cela vont prendre de ce que tu es en train de faire. And we will have one meeting with et God. Nous aurons une seule rencontre avec Dieu. No distraction even from preachers. Pas de distraction même des prédicateurs. All will be under the shadow of your glory. Tout sera sous l'ombre de ta gloire. Thank you, Father. Merci, Père. In Jesus Christ's name, we have prayed. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen.